Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Kai et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Europa Universalis 4 avec les Ottomans. J'ai toujours en train de préparer l'amitié avec Tabaristan et tout et tout. Pourquoi est-ce que je dis que je pourrais peut-être vassaliser ce con? Enfin lui non, mais bon, j'ai l'anneau que j'ai prévu là, que je pouvais presque. Voilà, Gazikimuk. J'ai motivé mes relations avec ce trou du cul. Je suis en train de monter avec mes relations avec Shirvan. Et Shirvan, le problème c'est que Shirvan, c'est abruti, lui. Moins de 189. Je sais que si je monte mes relations avec l'un de ces deux-là, Shirvan ou Gazikumuk. Je pouvais peut-être. Ben, disons qu'on va faire un vassal et puis ben, un puppet qui boufferait un tas de territoire ici. Donc là, les Guinipazards, c'est quoi? Donc on va convertir Sakiz. Je suis con, c'est ça, j'ai pas dit la bataille de Chypre. C'est quoi cette blague de merde? On a pris Damas, bonne nouvelle. Et hop. Maintenant qu'on a pris Damas, on va rusher vers le sud. Je vais prendre Man et puis je vais me bloquer un petit peu par ici, histoire tranquillement d'attendre. Je vais pas mettre Mustapha à l'attaque ici. Pourquoi? Je vais garder pour une de mes deux armées ici. Parce que si je laisse Mustapha ici comme un con, disons que ben je pourrais plus m'en servir. Alors que là. Je vais faire, c'est que je vais pouvoir hop, raid Mustapha, il pourra taper sur du Mamelouk. Et je préfère Mustapha qui tape sur du Mamelouk que sur du que de l'avoir bloqué ici pendant je sais pas combien de temps, le temps qu'il fasse le siège. Plus mal royal avec le Hedjaz, bah c'est pas grave. Enfin, je trouve un trou du cul ici à vassaliser. Moins 113, moins 105, moins 1225. Putain, ah oui, c'est vrai que je suis en guerre, c'est trou du cul. Bah, je trouverais bien un gars à vassaliser ici, vous inquiétez pas. Ou sinon, j'intégrerai ça moi-même. Je ferai des puppets ici pour, par exemple, Gazikumu qui bouffera les territoires ici, là, pour faire un gros bloc. Tout comme la Crimée fera un gros bloc au nord, ici en tapant sur de la Horde d'Or et sur des Moscovites. Parce que le soviétique, là, il a aucune chance, hein. Je vais le défoncer très très vite, le russe, vous allez voir. Je vais pas laisser le temps de me casser les couilles. Ah, je vous assure que ça. Embrasser la Renaissance, et voilà, c'est embrassé. Du coup, j'ai plus le malus, et du coup, là, hop. Hop, plus 110. Il n'y avait plus à la traîne niveau points. Et vous allez voir que là, maintenant. On va gentiment siéger Chypre, vous allez voir. Une fois que Chypre sera, on s'en sera chargé là, je vais monter les relations avec Gazikimuk. Père du cas, putain, il casse les pieds, les pécores. La Horde d'Or a Riazan comme vassal. Et la Moscovie qui, ouf, assez dangereuse. Hein. Moscovie devient dangereux, je trouve. Pourquoi il aime bien? Parce que on a le même ennemi qui est la Pologne. Il n'y aura pas d'alliance par contre, c'est trop du cul. Et si vous avez une alliance contre la Pologne? Oh! Vous sentez le coup salaud là? Eh ben s'il s'acceptera une alliance avec la Pologne, je vois pas pourquoi je refuserais. Du coup, nous, on va prendre réparer ça. On va préparer une guerre contre la Pologne. On va dire, on va appeler les Russes, on va s'allier avec eux, on leur promettra les territoires. On va laisser les Russes cramer leur manpower contre les Polonais et les Lituaniens. On leur dira de se faire foutre. Ils nous aimeront pas et bon c'est pas grave, on aura pu affaiblir la Pologne. Et les Russes en attendant.
Chaque province qu'on gratte à ses glandus, c'est des provinces de plus pour nous. Collection de caraconnes, putain, les caraconnards! Et qui y a qui d'autre dans cette collection de merde? Un tas de bordel, la circassie, voilà. Même look. Bien. On a dit donc, on va charger un petit peu là de quelques connards. Vous voulez pas faire une paix avant de trouver du cul? Longueur de la guerre, la guerre a pas duré depuis assez longtemps, blablabla. Je charge le car machin, vous inquiétez pas. Je vais violer sa gueule. La vache après le tennis. Je charge le caracunlou, vous allez voir, il va rien comprendre. Ah les enfoirés. Bon, ne vous inquiétez pas, on va les défoncer. Enfin j'espère, j'espère vraiment là, parce que... Honnêtement, ça pue du cul là. Donc, ma flotte là, on va justement la rapatrier pour être sûr hein, au cas où. Là, s'il faudrait, ce serait comment dire, un pays qui se ramène et qui vienne casser du clampin. Je le poursuis. Tiens, le bâtard de... Est-ce qu'il n'y a pas Milan qui pourrait attaquer Venise dans le dos là où je fais un truc salaud là? Ça me plairait bien. J'ai aucune chance contre tout ce beau monde là. Encore si les mecs qui venaient pas, mais bon, je veux dire, ils viennent tous. Ils pourraient pas se taper une guerre dans le cul, je sais pas, un truc qui les affaiblit indéniablement là. On va choper Erzurum. On a gagné le siège de Chypre, youhou, ça me fait une belle jambe. C'est-à-dire une chose, on va pouvoir rapatrier les troupes de Chypre déjà, ça va être pas mal. D'où je perds? Pourquoi est-ce que j'ai perdu contre ces connards alors que... C'était moi qui me tapais la défense. Bon, pff, il faut chier ce trou du cul là. T'as pile au pire moment, bien sûr. Pourquoi c'est même nous qu'on peut m'avoir envoyé des troupes moi pour me défoncer ces connards? Bon, ce après aussi, ça va être défoncer les troupes. Les troupes des autres cons qui est ici en Asie. Je défonce l'Asie, une fois que je me suis occupé de l'Asie. Chier ça. Du coup, peut-être qu'il est temps de remonter un petit peu, comment dire. On va monter l'habilité assiégée d'ailleurs. J'aime bien qu'on ait des petits rebelles qui popent partout par chez nous là.
Kosova. On va baisser un petit peu la leur hostilité à ces cons. Ah, génie tactique, plus 1 de manœuvre terrestre, c'est peut-être intéressant. On va exploser, faut que j'explose ces fumiers. Le jeu c'est quand même bien bâtard, hein. Ça j'ai encore parlé d'une bataille, ça fait chier, là, je fais du score de guerre comme n'importe quoi. Mais tu barres pas jusque là-bas, trou du cul, hein! Mais putain, pourquoi est-ce qu'ils vont jusque là-bas, ces clampins? Allez, allez, pour cette révisonde! Et pourquoi est-ce que lorsqu'ils attaquent une forteresse, c'est moi qui me tape le malus? Bon, je vais gagner une bataille, ouf, bonne nouvelle. Faut revenir les gars. Personne n'a obtenu 10% de score de guerre à partir avec tes batailles. Faut que je fasse plus de batailles gagnées. Juste pour avoir Damas, ça me ferait chier juste de voir juste avoir juste Damas. On verra bien avec les Mamelouks plus tard. Bon, on continue à faire chier un peu cet enfoiré. Je pense qu'une alliance avec la Moscovie ne serait pas... ne serait... Rival historique? Putain... Oh putain, rival historique moins 1000. Ah non, pas ça, je veux dire. Moscou. Salonique. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on ait maintenant des rebelles qui pop. Parce que je vois mal comment on va pouvoir essayer de s'en sortir contre ça. Et bien la seule chose qu'on va pouvoir essayer de faire, ça va être de. Faut ici que je puisse. Il peut pas se révolter maintenant les Irakiens là, je sais pas. Révolte massive là. Je vais laisser popper, vous allez voir. Je vais laisser popper les rebelles. Vous allez voir les orthodoxes et particularistes. Qui leur pop dans le cul. Ma prière d'Alan. Sinistre, voilà, je me doute un petit peu. J'ai autre chose à faire que pour le moment que de filer du fric à des gens, désolé.
Qu'est-ce que vous avez? Moins 170! Oh putain! Oh. C'est quoi ces batailles de merde là? J'ai chopé là. Eh ben c'est vrai, je vais perdre encore la bataille. Putain, je vous jure. Oh, ça donne envie d'étrangler les chatons, ça. Oh purée. Fais chier. Ça rase mon vite. De toute façon, il est hors de question que je capitule, vous allez voir. Je peux vous assurer qu'il est hors de question que je capitule. Oh, les Mamelouks qui s'y mettent, putain. Bon, pas le choix, faire négocier la paix avec les Mamelouks. Bon, Chypre. On va prendre Damas. Et on ne demande pas de thunes. C'est quoi faire? On va gentiment attendre. J'ai besoin de 2-3 petits tours de plus, histoire tranquillement d'être. Putain, et maintenant les autres enculés traversent, donc ils ont le contrôle des 3 et traversent, fait chier. Je joue plus de Caracol Loop et après que je prenne des forteresses là-haut. Vous pouvez pas faire chier quelqu'un d'autre. Non, non, il faut que je vienne me faire chier moi, hein, bien sûr. On peut négocier, hop, victoire, on a pris deux provinces, c'est clampin, génial. Parfait, 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 parfait. Maintenant. Je vais pas les courir tout de suite, pourquoi, à votre avis? Parce que si je les rends aux Mamelouks, parce que ça aura pas plu pour négocier une paix. Mon 29, putain, en plus en plus de guerre, il est élevé. Et ça va faire chier, vous voyez, hein. On va prendre Bagdad alors. On va s'enfumer encore une fois, à cause de tous leurs renforts qui viennent, voilà, ils reviennent, ils arrivent tous en groupe. On n'a pas eu Constantinople, putain, sa race maudite. Mais ils sont tous crevés, putain. Bagdad est tombé, génial, et bon. Putain, d'accord. Ah ouais! Ça va? Hors de question.
Je vous assure que vous serez usé avant moi, les gars. Je vais vous user avant. Je vais tous fumer à l'est, tranquillement. Ah, j'en fous s'il faut faire popper des rebelles pour particulariser un petit peu partout, hein. Ah mais je vais vous faire popper les rebelles, vous allez voir. Fatigue deux se sont révoltés au Kosovo, très très bien, voilà, vous allez voir que les autres comptes vénitiens vont y aller. Putain, les autres connards, ils viennent sur ma gueule, bien sûr. Particularité qui se soulève, bim. Allez, Dierne. Voilà, on va rester là tranquillement. Je sais, putain, c'est baisé pour ma gueule là. Oh. Bah allez, on y retourne. Et cette fois-ci, on va y aller. Faut que je puisse me taper une. Faut que je puisse me taper toutes ces armées-là séparément. Venise, putain, et Venise, bien sûr qu'il va exploiter les particularismes, bien sûr. Ce serait pas drôle sinon, hein. Faut que j'ai fume, faut que j'ai fume, faut que j'ai fume. Faut que j'en fume le maximum ici, puis l'armée de Karakounou ici. Ouais, c'est qu'il faudrait que j'arrive à fumer un peu tout ce beau monde là, histoire qu'il puisse plus ramener de troupes. Ouais. Je vais faire, j'ai essayé de fumer ces armées là. Donc de siéger pour ainsi de manière à ce qu'ils aient plus assez de troupes. Et après que je puisse essayer de reprendre Constantinople. Une fois que je fasse popper des particularistes ou je sais pas quel rebelle sur ma gueule. C'est parti ce serbe, faites-vous plaisir les gars, rebellez-vous. Bon les Syriens par contre, chien état de mort là. Est-ce que vous pouvez rajouter de ne pas vous révolter s'il vous plaît? Le mec il m'en fait comme ça. Du coup c'est quoi ce qu'on fait? Pourquoi ils sont en high, putain. Ils sont plus 30 bien sûr, fait chier. Et c'est ce qu'on fait, on fait aucun tribut. Non, faut pas déconner non plus. On fait relâcher les nations, on va déjà annuler la Crimée comme vassal, parce que c'est tellement un boulet la Crimée honnêtement. Je ferai. Et après je fais libérer. Qu'est-ce qu'on peut libérer? La Syrie, non, attendez. Ah oui mais la Syrie c'est tout ça, oui, ça fait chier. Libérer Byzance. Oh putain la vache. Oh le c'est la sodomie. Botan, putain. La Morée, putain, j'ai envie de rien libérer, merde, ça fait chier. Allez, je regarde un truc, si je peux libérer également. Comment s'appelle ce con? Si, est-ce que je vais. Azov sous Genoa évidemment. Je sais pas ce que je pourrais faire pour faire une paix qui serait pas trop pourrie pour ma gueule. Théodoros évidemment. La Chaï. Et également.
Je vais prendre une offre là comme ça, bon. Je vais essayer de battre jusqu'au bout pour voir si je peux essayer de gratter un truc en plus. Je vais avec Zoro pour taper l'armée vénitienne. Les fiottes. Et vous, je vous chope là, je vous essaie de vous cueillir là. Ils ramènent tout là. Ils vont ramener leurs troupes, vous allez voir, je vais pas réussir. Oh putain, la sodomie. Mais c'est injouable les Ottomans, je veux dire, c'est quoi ce nouveau patch là? C'est quoi? On va devoir capituler. Sauf qu'il est hors de question que je relâche la Morée, vous allez voir là, Moréa. Bon, j'ai plutôt Serbia. C'est quoi? Alors libérer la Serbie, voilà, vous voulez la Serbie? Voilà, vous allez vous faire plaisir avec la Serbie déjà premièrement. Après on va faire libérer Trébizonde, comme ceci. On va faire annuler le sujet de la Crimée. Ah, il est où Théodoros? Théodoro il est là, 9%. Voilà. Putain, ils font chier ces collisions là, con! Ah, mais je vous jure, là, c'est je casse les couilles, je m'en les collisions. Pourquoi ma cité de guerre elle tombe à zéro? Pourquoi? Parce que comme ça. Bon, on va juste préparer la Serbie. Bon, bah, il va falloir qu'on se venge sévèrement. Ça veut dire, on va se démerder pour s'allier avec Moscovie, hein, c'est tout. Voilà. Et ce talent, c'est que Moscou, là, j'en ai rien à foutre, c'est horrible, je m'en tape. J'aurai ma revanche. Tôt ou tard, tous ces pays-là, je les déblairai. Je les ferai saigner, je les ferai chialer leur mère. Mais je me vengerai. Voilà, Moscou avec cette inédance. Et moi, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Parce que vraiment, je veux dire, ça n'a pas été la journée. Hein. Je voulais tourner une petite session là. Aujourd'hui, c'est la journée où je fais de la merde. Ça va être le seul épisode de la journée et ça va déjà être bien. Allez, on va rapido se faire. C'est quoi la trêve 1513? Et le tour du cul 1513 aussi. L'acide de guerre, elle est à combien là? Ah, elle est retombée! Zéro, d'accord. Elle va remonter, elle va remonter très très vite. 413, tu te remets ça à la gueule, mon gars. Mais tu vas le sentir sévèrement passer. Quant à toi, la Crimée, de toute façon, t'es vraiment un boulet. Alors, honnêtement, je veux sur ici la Serbie, là, je te retrouverai et je te tuerai. Donc aujourd'hui, je m'arrête là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Au revoir, tout le monde.